Bonjour à vous. Que se passe-t-il quand un homme puissant, un lobbyiste hors pair, convainc un président de la République à peine élu de passer à la broyeuse une invention aussi faramineuse que l'embryon expérimental d'Internet? Rien, il ne lui arrive rien. Si ce genre de victoire de l'intérêt d'un seul sur l'intérêt général vous fascine et vous révolte, alors laissez nos deux invités vous raconter l'histoire d'un pays, la France, qui dans les années 70 faillit inventer Internet et passa complètement à côté de cette révolution. Bonjour à vous Éric Reinhardt et Louis Pouzin. Bonjour. Merci beaucoup d'être là dans ce studio très coloré. Éric Reinhardt, vous êtes romancier. Nos auditeurs et auditrices vous connaissent sûrement pour Cendrillon, L'amour et les forêts, La chambre des époux, Le moral des ménages. On va parler aujourd'hui de comédie française. Louis Pouzin, votre nom est peut-être moins connu et pourtant vous êtes le génial inventeur du datagramme. On aura largement l'occasion d'expliquer dans cette rencontre ce qu'est le datagramme. On va dire pour l'instant que c'est le système de transmission de données qui est à l'origine d'Internet. Alors cette innovation révolutionnaire, Internet, elle a été portée par une équipe française dont les travaux de recherche ont été subitement interrompus en 1974 par les pouvoirs publics. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui s'est joué en coulisses pour aboutir à cette décision, il faut le dire, assez difficilement compréhensible? Ça, c'est la question qui obsède Dimitri. Dimitri, c'est ce jeune homme de 27 ans qui est le personnage central de Comédie française, votre tout dernier roman, Éric Reinhardt, qui est paru l'an dernier chez Gallimard. On suit Dimitri dans sa vie sentimentale, dans sa vie familiale, dans ses débuts professionnels, et puis aussi dans ses projets d'écriture, et en particulier dans cette enquête qu'il mène sur le sabordage du datagramme. C'est une enquête très fouillée, très documentée, c'est seulement l'une des lignes narratives de votre roman, qui est très foisonnant et composite. Il y a plusieurs histoires dans ce roman. On va peut-être se concentrer uniquement sur celle-là. Est-ce que c'est ce fait industriel et technologique qui est vraiment l'étincelle qui a permis ce roman? Ou est-ce qu'elle est venue s'agréger finalement cette histoire à quelque chose qui était déjà en germe? Non, tout a germé un peu simultanément, disons au même moment. Et c'est toujours comme ça que mes livres naissent. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs idées comme ça en suspension qui à un moment se mettent à dialoguer entre elles. Et quand ce dialogue devient fécond et fructueux, eh bien, peut naître et advenir l'idée, la sensation plutôt d'un livre, disons le démarrage. Et là, donc, j'avais plusieurs idées en tête, des préoccupations et des idées de personnages, de situations, et puis des émotions dont je voulais faire quelque chose. Et parmi ces différentes données, il y avait cette histoire. J'étais tombé sur une brève dans Libération en 2013, je crois, annonçant, c'était un samedi matin au café, annonçant qu'un ingénieur français, Louis Pouzin, allait être décoré par la reine d'Angleterre, rien que ça, pour avoir été l'un des pères d'Internet, avec d'autres personnes. Et je me suis dit, tiens, un Français peut être considéré comme l'un des pères d'Internet, mais que s'est-il passé pour qu'à la fin, la France ait joué quasiment aucun rôle dans Internet, ni ne joue aujourd'hui vraiment de rôle prédominant dans Internet. Alors, il y a forcément eu quelque chose qui s'est passé. On aurait pu être, voilà, jouer un rôle un peu plus actif. Et donc, je me suis mis à enquêter. D'abord, je suis allé sur Internet et j'ai tapé le nom de Louis Pouzin. Et en effet, j'ai découvert Louis et cette histoire du datagramme et tout ça. Et puis, en surfant sur Internet, je me suis dit que forcément, à un moment, et ça, c'est vraiment une intuition d'écrivain, enfin de romancier, je me suis dit, il y a forcément quelqu'un, à un moment, dans un bureau quelconque, qui a dit non. Je veux dire qu'une décision telle que celle-ci, à savoir d'écarter le datagramme, l'invention de Louis, qui est la technologie sur laquelle repose Internet, écarter cette invention, à un moment, c'est pas un geste ni une décision anodine, ni sans répercussion. Il y a quelqu'un qui voilà, peut-être considéré comme responsable. Et à ce moment-là, ça, c'était vraiment un grand fantasme d'écrivain. Je me suis dit, cette personne, je vais l'identifier
Et puis, je vais essayer de découvrir ces motivations et puis les mettre à jour, comme ça, au jour, pardon. Et sans doute, voilà, j'ai eu l'intuition qu'il y avait quelque chose de très, très intéressant à découvrir, à explorer et à rendre public. J'ai donc pris rendez-vous avec Louis Pouzin. Ça, c'était en 2015, donc 2 ans plus tard, parce que à ce moment-là, j'étais en train de... Alors, en 2013, j'écrivais « L'amour et les forêts », et puis après, j'écrivais « La chambre des époux ». Mais voilà, j'ai pris rendez-vous avec Louis, et puis il m'a raconté cette histoire, ce qui lui était arrivé, le datagramme, le réseau Cyclade, etc. Et puis les raisons pour lesquelles, lui semblait-il, le datagramme avait été écarté par les pouvoirs publics français. Et puis j'ai rencontré aussi Maurice Allègre, qui est le haut fonctionnaire qui avait recruté Louis pour créer en France un réseau de transmission de données comparable à l'ARPANET américain. Et donc c'était le délégué général à l'informatique. Et Louis travaillait à l'IRIA et qui m'a raconté, alors il ne s'était pas vu depuis 30 ou 40 ans, alors qu'ils avaient été très, très, très proches, et ils s'étaient battus, eux deux, côte à côte, contre les pouvoirs publics pour que le datagramme ne soit pas écarté. Et ils m'ont raconté à peu près tous deux la même histoire et la même chose. Et c'est là que j'ai décidé d'écrire ce livre, et surtout que les deux m'ont donné le nom de ce personnage que j'avais comme ça, a priori, fantasmé comme étant un responsable comme ça de cette qu'on ne va pas décision, révéler tout de suite. Suivre le fil de l'enquête. Voilà. Et donc, c'est ouvert devant moi, soudain, la perspective d'une enquête passionnante sur cette personne. Et donc, pour moi, là, c'était acquis, tout à fait acquis, que mon prochain livre comprendrait, parmi les différents ingrédients qui le constituent, l'histoire de Louis Pouzin, du datagramme et de cette grande faillite française. On découvre plutôt donc cette histoire grâce à la fiction. On découvre aussi, en tout cas pour ma part, j'ai découvert votre nom, Louis Pouzin, en lisant ce roman. Qu'est-ce que ça vous fait que cette histoire, finalement, soit portée à la connaissance du grand public par un roman, par de la fiction ? Oui, je crois que c'est bien qu'il y ait plusieurs manières de faire connaître. En tant qu'informaticien, je n'avais vraiment aucune chance d'écrire des bouquins qui intéressent plus de 3, 40, 50 personnes. Quoi. Donc, ça m'a paru sympathique, mais bien entendu, le succès était complètement inattendu. C'est que Eric a une façon de parler de ces choses qui attire non seulement l'attention, mais la sympathie, la curiosité, les aventures, enfin, un tas de choses comme ça, quoi, qui ne sont pas vraiment de taille à rythmer avec un bouquin technique où on parle de paragraphes, où on parle de protocoles, de choses comme ça, quoi. Ça n'intéresse que les experts, quoi. Donc c'était vraiment un coup de chance de rencontrer Eric là-dedans, quoi. Parce que vous êtes très connu ailleurs dans le monde, par exemple en Chine, il paraît que votre nom est beaucoup plus familier qu'ici. En fait, il y a déjà un livre qui vous avait été consacré, Louis Pouzin, c'est votre biographie, Louis Pouzin, l'un des pères de l'Internet. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt cette biographie et il y a une anecdote qui m'a amusée. Vous évoquiez, Eric, cet article de 2013, donc la reine d'Angleterre vous récompense, c'est pas rien, et il paraît que Buckingham vous a appelé 3 fois chez vous et que vous avez raccroché au nez à chaque fois. La première fois, en tout cas, oui, parce que je me disais, bon, c'est du spam, ben c'est, je ne voyais pas vraiment l'intérêt de m'appeler. Donc, je me suis renseigné un petit peu qui m'appelait, etc. On m'a dit que c'était le je sais pas quoi, le staff de la reine d'Angleterre. Hein. Bon, je me suis dit, bon, on va voir plus loin, mais j'ai pas donné suite, parce que je me disais, c'est probablement encore une histoire à dormir debout. Alors je me suis renseigné de l'origine, qu'est-ce qu'il y avait en Angleterre, etc. Et bon, à ce moment-là, j'ai commencé à comprendre que c'était sérieux. Donc j'ai rappelé le staff de la reine. Alors je suis tombé sur la personne qui était au courant et qui m'a expliqué tout ce qui se préparait, quoi. Parce que vous parlez couramment anglais, en plus vous avez vécu et travaillé aux États-Unis. Alors c'est-à-dire que Quand j'étais ingénieur chez Machine Bull, j'avais et que j'ai entendu parler
de l'Internet, qui avait le CICOB en France, qui montrait des ordinateurs, qu'on n'appelait pas encore ordinateurs, mais plutôt calculateurs électroniques. Tout ça, c'était tout à fait le début. Hein. Alors ça m'a tout de suite passionné, parce que ce que je faisais chez Machine Bulle à l'époque m'était un petit peu ras des pâquerettes, quoi. Je me suis dit, si je ne... Alors je ne connaissais pas l'anglais, je ne connaissais pas les Américains, donc je me suis dit, si je reste à ce niveau-là, je ne vais pas décoller. Donc j'ai demandé à mon patron de me trouver un endroit pour aller me mettre à jour aux États-Unis. Alors ça tombait bien parce qu'il y avait un Français qui s'appelle Philippe Dreyfus qui connaissait pas mal de gens. Il a trouvé la personne chez qui je pourrais aller résider, c'était Fernando Corbato, un scientifique américain qui était directeur d'un laboratoire dans lequel il développait une nouvelle manière de construire les ordinateurs, c'est-à-dire les ordinateurs que l'on puisse utiliser avec ses doigts et non pas simplement en leur faisant manger des cartes perforées, quoi. Alors j'ai écrit à ce directeur en lui expliquant ce que je voulais faire. Et il m'a répondu très gentiment qu'il pouvait me prendre dans son staff. Et c'est comme ça que je suis parti à Boston. Au MIT, rien que ça. Ça, ce genre d'anecdote, ce coup de fil de Buckingham Palace, Louis Pouzin qui raccroche au nez, les rencontres qui font partir au MIT, c'est le genre de détails qui plairait beaucoup à votre personnage de Dimitri, à ce jeune homme, donc le personnage central de Comédie Française. Il est complètement obsédé par les moments décisifs, ces moments, le jour où tout bascule, où un destin individuel se noue, ou même plus largement, où une nation change de dimension. Je crois que c'est aussi un moteur très fort de votre écriture. Éric Reinhardt, pourquoi ça vous touche particulièrement, ces moments fatidiques qui sont même parfois un moment fatal ? Parce que moi-même, dans ma propre vie et dans la façon dont je la conduis, je suis toujours très attentif aux circonstances, à ce qui se passe et à ce qui peut ne pas se passer, parce que je n'aurais pas été à la hauteur de la situation, où je n'aurais pas perçu quelque chose que j'aurais dû percevoir. J'ai toujours peur de passer à côté de rendez-vous importants que pourrait me donner la vie et le réel. Et on peut facilement, parce qu'on est pris dans sa vie comme ça, routinière, finir par être négligent. Et je pense qu'il ne faut pas, il faut être très très attentif et être conscient chaque jour quand on se réveille qu'il peut se passer dans l'existence de très belles choses, des rencontres et en effet des instants décisifs. Et puis aussi quand on a des difficultés et qu'on n'arrive pas à réaliser ses rêves ou en tout cas à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, eh bien, je pense que c'est important d'avoir la foi, d'y croire et d'avoir une sorte de ferveur. Et c'est le cas de Dimitri qui imagine et pense et suppose, et il a besoin de ça pour avancer dans la vie, qui va forcément lui arriver des choses importantes, intéressantes, ou en tout cas qui vont l'aider à avancer dans la direction qu'il s'est donnée et avec ses ambitions et ses rêves, parce qu'il n'aurait jamais cessé d'y croire, de croire en lui et de croire en ce fait que la réalité, le monde réel et la vie peuvent nous récompenser de cette ferveur. Il y a une phrase de Balzac que j'aime beaucoup, que je cite énormément. Balzac disait que si la foi était bien évidemment indispensable dans la vie religieuse, elle l'était encore davantage sans doute dans la vie sociale. Et que, voilà, confronté aux difficultés de l'existence, on a besoin vraiment d'avoir la foi pour avancer sans se décourager. Et Dimitri pense qu'en effet, il sera forcément récompensé de cette ferveur. Et puis, il est aussi fasciné, comme on peut l'être tous, ça fascine tout le monde, ces instants, ces pétrifiantes coïncidences, comme les appelle André Breton. Et une fois de temps en temps, il nous arrive des choses qu'on ne comprend pas, qui relèvent vraiment de la stupéfiante coïncidence. Alors, sans être forcément mystique ou versé dans la parapsychologie, tout ça,
on se dit, mais comment est-il même concevable qu'une telle chose m'arrive, une telle coïncidence, voilà. Et ces événements-là que Dimitri, parce que un certain nombre de pétrifiantes coïncidences se sont produites dans sa vie, eh bien, il espère que d'autres se produiront de nouveau. Et c'est avec cette attention très, très aiguë à ces moments de bascule, à ces moments décisifs, qu'il aborde donc ce moment charnière des années 70 où donc la France renonce, passe à côté de l'Internet français. Qu'est-ce qui se joue vraiment, là, de votre point de vue à vous, dans ce moment-là, dans ce moment en 1974, où Valéry Giscard d'Estaing et d'autres personnes, on va en parler dans un instant, disent non, écartent le projet de Louis Pouzin. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand derrière ce fait industriel, technologique ? On ne va pas faire de l'histoire conjecturelle ou conjecturale, je ne sais pas comment on dit, peut-être les deux. On ne peut pas prévoir, on ne peut pas dire avec certitude aujourd'hui ce qui se serait passé. Et si on aurait été suffisamment... armés, opiniâtres, ambitieux et avec suffisamment de vision pour faire du datagramme de Louis ce que les Américains sont parvenus à faire aux États-Unis avec ARPANET, c'est-à-dire créer Internet, mais surtout une nouvelle réalité, en quelque sorte une nouvelle société, enfin voilà, le monde numérique. Donc en effet, nous avons gâché de formidables opportunités, puisque non seulement le datagramme de Louis Pouzin a été écarté par les pouvoirs publics en 1974, mais même Giscard d'Estaing, au même moment, a disloqué le consortium européen Unidata, qui aurait pu devenir l'Airbus de l'informatique. Et si Unidata avait continué, et si le datagramme et le réseau Cyclades étaient devenu le réseau de transmission de données dominant, eh bien, on aurait eu vraiment une possibilité là d'être fort et d'avancer, puisqu'on aurait eu les machines sur lesquelles aurait pu fonctionner le réseau Cyclades, donc Internet. Mais une fois que les pouvoirs publics ont abandonné le datagramme, les Américains, mais ça, Louis en parlerait mieux que moi, même si je le relate en effet dans mon roman, mais dans mon roman, c'est Louis qui parle et qui raconte cette histoire à mes lecteurs. En effet, les Américains s'en sont immédiatement emparés du datagramme de Louis en lui donnant immédiatement leur nom, TCP/IP, pour lancer Internet. Donc, pour moi, il y a vraiment eu un moment de bascule parce qu'on avait tout en main pour lancer Internet. Et d'ailleurs, Louis m'avait raconté que les universités européennes étaient très demandeuses d'un réseau pour mettre leur base de données en partage. Et donc, Louis était en relation avec différentes universités d'Europe qui étaient vraiment très, très demandeuses de ce réseau. Et en effet, le réseau Cyclades avait fonctionné avec les universités européennes, sans doute que les universités américaines, en fait, auraient rejoint ce réseau. Et comme on sait que Internet a été principalement lancé au début par les étudiants et les universités, c'était sans doute, on aurait pris une longueur d'avance assez considérable et certainement décisive sur les travaux des Américains et leur réseau et Internet et TCP/IP. Cette histoire, elle s'inscrit quand même dans une période très particulière. En tout cas, c'est Dimitri qui en a cette lecture. Il a une lecture politique de ce qui se passe. C'est les années 70. Alors d'ailleurs, ce personnage, il est un peu ambigu parce qu'il est très nostalgique de cette période qu'il n'a pas connue ou qu'il a connue par ses parents et ses grands-parents. Il en parle comme d'un paradis perdu. Et en même temps, il a conscience que les années 70 sont celles de grands changements économiques et politiques, notamment économiques et politiques en même temps. Oui, c'est vrai que, mais comme chez beaucoup de jeunes personnes de cette génération, et je peux le constater parce que j'ai un fils qui est né en 96, il y a une fascination pour les années 70 qui résonne comme ça, presque comme un rêve qu'ils auraient fait durant la nuit et sont au réveil. Et ça, il y a des images comme ça en suspension, il y a une forme d'insouciance, il y a presque quelque chose d'assez érotique dans l'imaginaire qu'on peut avoir de ces années-là.
qui ne sont pas des années historiques, parce qu'elles ne sont pas suffisamment lointaines pour avoir rejoint l'histoire. Ce n'est pas comme les années 20 ou les années 30. Elles vibrent encore, elles sont presque encore en suspension dans l'air avant de s'éteindre tout à fait, parce que c'est l'enfance de leurs parents. Et c'est la jeunesse et l'âge d'or de leurs grands-parents. Et ces jeunes, ils sont en relation avec leurs grands-parents, ils les aiment. Et donc, les années 70, voilà, y a quelque chose à la fois de complètement très lointain de ce qu'on vit aujourd'hui et en même temps de très proche. Et c'est cette proximité presque charnelle des années 70 qui les fascine et qui les ensemence et les fait rêver. Le cinéma, la mode, le design... l'architecture, il y a quelque chose de voilà de et en effet j'ai aimé comment dire doter Dimitri de cette fascination et de cette culture qu'il a pour les années 70. Et puis c'est dans ces années-là, et ça c'est vraiment, alors lui en effet on l'a dit tout à l'heure, il est absolument obsédé et fasciné par les instants décisifs. Et en effet la réalité, la société dans laquelle Dimitri vit aujourd'hui, qui est le monde numérique avec Internet, Instagram, les réseaux sociaux, Facebook, etc., ça le trouble de se dire que c'est dans ces années-là, c'est en 74, à partir des années 74, que tout s'est préparé. Donc ça a pris, Louis en parlera mieux que moi, mais en effet, les Américains, ils se sont emparés de l'invention de Louis en 74 et il leur a fallu 15 ans pour créer Internet et pour développer Internet. Donc c'est vraiment, moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'il y a eu, je pense, un moment de bascule et tous les équilibres planétaires se sont transformés ou disons ont continué à se transformer, et là d'une manière très très importante avec la préparation de la société numérique qui est quand même très largement dominée par les Américains. Et je pense que dans ces années-là, ce désir d'hégémonie qu'ont les Américains, et que je critique pas, enfin voilà, c'est comme ça, ils sont dans une conquête et une guerre de conquête culturelle, économique, financière et tout ça. Sur cette question-là des réseaux de transmission de données, c'est en 74, 75 et dans les 15 années qui ont suivi que ça s'est joué, et sans doute avec une vision, c'est-à-dire qu'ils ont, alors je ne parle pas de Louis qui lui, il avait cette vision, mais les politiques, ou en tout cas les industriels français, je pense, n'ont pas été suffisamment visionnaires et n'avaient pas anticipé comme l'ont fait les Américains ce que cela pourrait donner. Et les Américains, s'ils se sont battus et se sont engagés, parce qu'ils ont un peu triché et rusé, c'est-à-dire quand ils se sont emparés de l'invention du datagramme. Mais j'aimerais que Louis raconte cette histoire après. Mais on va y venir, oui, justement. En fait, il y avait un projet de collaboration, de coopération internationale, et les Américains n'ont pas voulu coopérer, collaborer. Ils voulaient être seuls, parce qu'ils avaient sans doute compris avant tout le monde qu'il fallait être les seuls et les premiers à s'implanter sur ce nouveau territoire pour le faire fructifier et en tirer le plus de profit possible. On va se plonger maintenant alors dans ces années 70, les vraies, pas les années 70 fantasmées. Au début des années 70, Louis Pouzin, vos collègues informaticiens de l'IRIA, c'est l'Institut de recherche en informatique et en automatique, et vous travaillez sur un projet de réseau de transmission de données qui s'appelle Cyclades. Qu'est-ce que vous cherchiez exactement? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer pour les gens comme moi et peut-être certains de nos auditeurs qui ne connaissent pas grand-chose à l'informatique? Il faut réemmagasiner un petit peu le contexte industriel de l'époque. C'était ces années-là, 72, 73, etc. C'était l'époque du plan calcul. Le plan calcul, ça résultait d'un nouveau gouvernement qui était passé aux socialistes, avec donc une quantité de gens qui voulaient faire de la France un endroit très brillant dans le monde. Alors ça, c'était encore assez vaseux, parce que pour ça, il fallait des machines de calcul, autrement dit des ordinateurs, le nom n'existait pas encore, mais c'est arrivé rapidement. Il fallait donc avoir des machines, mais on ne les fabriquait pas en France, on les fabriquait aux États-Unis. Il y avait quelques petits constructeurs en Europe et aussi en France d'ailleurs, qui pouvaient faire des machines, mais c'était extrêmement
simplistique, parce qu'il n'y avait pas de langage de programmation. Enfin, vous voyez, tous les outils qu'on utilise aujourd'hui pour programmer n'existaient pas. Donc, ça ne pouvait pas dépasser quelques petites équipes qui bricolaient dans leur coin, mais qui n'étaient pas stupides, pas loin de là. Mais il n'y avait pas l'ambiance industrielle pour les lancer, quoi. Alors, ce que le délégué à l'informatique voulait créer à l'époque, c'est un plan calcul qui brasse à la fois des industriels, des chercheurs et des entreprises prêtes à développer l'informatique dans leur milieu. Autrement dit, faire coïncider un ensemble de besoins. Alors, pour beaucoup de gens, il y avait ceux qui pensaient que oui, que c'était en effet une très bonne idée, puis beaucoup qui pensaient que c'était de la foutaise, qu'on n'arrivera jamais à rien parce qu'on n'avait aucune expérience, quoi. Ben, ça leur disait rien, disons. Alors, un de mes collègues qui s'appelle Philippe Renard, qui était dans le staff de la délégation à l'informatique, que je connaissais bien, a suggéré à Maurice Allègre de me récupérer pour faire un réseau informatique comme le voulaient les penseurs, on pourrait dire, de l'époque. Mais ces penseurs, il y en avait très peu. Il y en avait peut-être une douzaine. Alors, il m'a contacté. Et je dois dire que j'ai tout de suite été conquis par l'idée, parce que je ne connaissais pas, moi je crois que j'anticipe un peu, ce que je raconte à l'heure actuelle, c'est un petit peu antérieur au moment où j'ai commencé à être proche de la délégation pour faire le réseau Cyclades. Au départ, on parlait beaucoup d'ordinateurs, c'était le futur, mais personne n'en avait jamais fait en France, sauf quelques bricoleurs. Et ce qui se faisait aux États-Unis, ben, ça semblait intéressant. Ils faisaient des gros calculs avec, mais des calculs scientifiques, c'est-à-dire des machines qui pouvaient calculer des milliards d'instructions, mais il n'y avait rien qui soit directement utilisable par les humains, à part les machines, pour faire les calculs. Alors j'ai donc, je me suis dit, ben, si je ne connais pas l'anglais, et aujourd'hui, il faut être aux États-Unis pour apprendre tout ça. Donc le MIT, voilà. Comme vous l'avez expliqué, alors, mais vous êtes revenu en France après. Alors, mais quand je suis parti aux États-Unis, j'avais deux petits-enfants et ma femme, et je n'avais pas du tout l'intention de rester aux États-Unis. Je voulais voir d'abord, je voulais apprendre l'anglais et l'informatique. C'est pour ça que je suis allé au MIT, que ça m'a paru tout à fait. Ça a très bien marché. Moi, j'ai été accueilli à bras ouverts par les collègues américains du MIT. Et le professeur Corbato, qui était le directeur du centre de calcul, bon, c'était un type remarquable qui, lui, avait une idée en tête qui n'était pas celle de tous les Américains à l'époque. Il voulait construire un système d'exploitation, c'est-à-dire un programme d'informatique qu'on peut mettre sur n'importe quel gros ordinateur, mais quelque chose qui permettrait à des individus de rentrer leur programme avec leurs petits doigts, de les faire tourner, de les mettre au point, et donc de les rendre beaucoup plus rapidement disponibles. Avec, à l'époque, quand on voulait faire un programme un peu important, ça durait quelques mois, mais il fallait énormément de temps pour faire la mise au point. Donc ça permettait de faire ça beaucoup plus rapidement, parce que les gens pouvaient voir à la minute comment fonctionnait leur programme, donc le corriger tout de suite. Donc ça a extrêmement accéléré le développement des programmes pour ordinateurs numériques, enfin, qui étaient conçus pour être utilisés par des humains. Alors, c'est ça que j'ai appris aux États-Unis, parce que je faisais partie du staff de Corbato, qui justement avait comme projet de faire l'ordinateur universel, enfin, disons le programme universel, que l'on peut mettre sur n'importe quel gros ordinateur pour faire n'importe quel type de travail. Et le datagramme, alors, à quel moment ça arrive? Et surtout, qu'est-ce que c'est le datagramme? Et Eric Reynard, vous pouvez nous aider aussi. Parce que, en fait, Maurice, il t'a fait venir à l'IRIA pour faire en France l'équivalent d'ARPANET
qu'aux États-Unis, c'est-à-dire que nous, on n'avait pas en France de réseau de transmission de données. Maurice Allègre souhaitait que la France se dote d'un réseau de transmission de données. Il t'a recruté pour ça. Et en fait, non seulement tu es allé à l'IRIA, mais non seulement tu as créé pour la France un réseau de transmission de données comparable à l'ARPANET américain, mais qui était bien mieux fait que l'ARPANET américain parce qu'il y avait le datagramme. Oui. Alors, explique-nous ce qu'est le datagramme. Le datagramme. Oui, et quelle était la supériorité de notre réseau français, Cyclades, fonctionnant avec le datagramme par rapport au réseau américain? Ce que j'ai fait d'abord, c'est de regarder comment marchait ce que les Américains faisaient à l'époque. J'ai trouvé que c'était trop compliqué, qu'ils mettaient beaucoup de temps à le faire, que les mises au point étaient très longues. Tout ça m'a paru, disons, peu efficace. J'adore. Alors, donc j'ai commencé à réfléchir, qu'est-ce que je pourrais avoir comme outil pour accélérer ce développement de programme. Eh bien, c'était des outils qui font tourner le programme que je viens d'écrire et qui me marquent tous les problèmes qui ne vont pas. Les erreurs de programmation, c'est courant. Donc je pouvais comme ça voir beaucoup plus rapidement que ceux qui faisaient ça sur leur planche de papier, quoi. Et ça m'a permis de développer rapidement des quantités de programmes utilitaires quand j'étais encore débutant au MIT. Alors comme Corbato était très ouvert, c'était un professeur qui essayait pas de me bourrer d'idées, mais il me posait des questions. Comment tu vas faire ça? Comment tu l'as fait? Etc. Mais j'apprenais beaucoup plus de choses à répondre à ces questions que s'il m'avait fait un cours. Et parle-nous des paquets. Oui, alors, c'est un terme clé dans le livre, et ce qui permet de tout comprendre sur le datagramme, c'est ça, c'est cette notion de paquet. Alors les paquets, c'était quelque chose qui existait déjà, mais c'était pas dans un contexte véritablement de transmission de données, parce que ça n'existait pas vraiment de manière utilitaire, les transmissions de données. C'était en général des morceaux de réseau, quelques bouts de fil par-ci, par-là, dont on se servait pour collecter des informations, souvent d'origine industrielle, prendre des données, les transmettre à une machine ou à un programme dédié qui les traitait pour un but spécifique. Ce n'était pas du tout un système général. Alors là aussi, je me suis dit, c'est pas intéressant ce truc-là. Il vaut mieux faire Alors, il y avait déjà quand même dans l'idée la téléphonie. La téléphonie, ce n'était pas mon métier, mais à l'époque, les téléphonistes avaient déjà construit des réseaux dans lesquels la voix était remplacée par des bits. Et ces bits, on ne pouvait pas les expédier par millions d'un coup, parce qu'il y a toujours des erreurs, donc il faut transmettre ça par morceaux réduits. Donc les paquets. Que l'on peut vérifier, parce qu'on met des codes de vérification. Alors ça me paraissait tout naturel de bricoler ça, parce que j'avais déjà fait dans ma carrière informatique préalable, bon, j'avais fait des exercices en tout genre, mais qui utilisaient justement cette technique de couper les données en paquets. Mais ce n'était pas du tout quelque chose d'universel, c'était des choses que l'on bricolait à chaque fois pour un besoin spécifique. Alors je me suis dit que ça serait plus pratique si on en faisait un système indépendant qui permette de transporter n'importe quoi par paquet, mais sans obligation, comme le faisaient les téléphonistes, de leur faire suivre le même chemin que la voix dans la téléphonie. Parce que la voix, ça passe sur un trajet dans lequel il y a un problème technique, eh bien la communication est coupée. On va d'un point A à un point B. La doctrine des gens du téléphone, c'est d'aller d'un point A à un point B. D'abord une connexion.
de voir Abbé. Et vous, vous avez complètement repensé cette philosophie. Il n'y a pas besoin de ça, il suffit de mettre en paquet, on envoie les paquets, on les numérote. Et puis à l'arrivée, on vérifie qu'ils sont tous arrivés, qu'ils sont tous bons. Puis on n'a pas eu besoin de retransmettre et tout. Et bon, c'est vrai que ça demande un peu plus de mécanismes techniques, mais les ordinateurs sont très rapides. Et puis au moins, on a la garantie que ce qui est reçu a été bien reçu. Et ce principe, c'est le datagramme, donc, qui est à l'origine d'Internet. Comment vous vous êtes débrouillé, Eric Reinhardt, pour un roman, donc une œuvre de fiction, avec toute sa dimension romanesque, ces histoires du jeune Dimitri, pour intégrer ces aspects extrêmement techniques, extrêmement pointus? J'imagine votre première rencontre avec Louis Pouzin, je ne suis pas sûre que vous ayez tout compris tout de suite. Comment vous avez traité ce matériau? Alors, moi j'aime les formes composites. J'aime les ruptures de ton, les oppositions de tessiture. C'est vraiment une esthétique que j'aime lorsque je travaille. Et depuis dès que j'ai commencé à imaginer mon roman, j'ai imaginé qu'il y aurait une veine très fictionnelle, poétique, donc narrative, avec un personnage, des situations. Une veine très... sarcastique, ironique, pamphlétaire, et puis une veine documentaire, avec vraiment presque comme un petit livre d'histoire à l'intérieur du roman. Et c'était vraiment ça l'idée que j'avais de mon livre. Ce serait vraiment comme une œuvre plastique où s'opposerait des matériaux extrêmement différents et divergents, et avec des oppositions comme ça et des ruptures. Et donc, il y a l'histoire de Dimitri qu'on suit dans ses pérégrinations, comme vous l'avez dit tout à l'heure, professionnelles, familiales, sentimentales. Il y a la dimension comme ça pamphlétaire, avec les prises de parole extrêmement vigoureuses de Dimitri contre une certaine France, une certaine droite conservatrice, contre le patronat français si imbu de lui-même, mais qui n'est pas foutu de prendre une invention comme celle du datagramme et qui la laisse partir aux États-Unis. Donc j'avais Dimitri très en colère par rapport à ça. Il ne supporte plus les leçons que ne cessent de donner à la population française les grands patrons à chaque fois qu'ils passent à la télévision, comme si le marasme économique en fait était l'œuvre des Français paresseux qui font seulement de travailler avec les 35 heures, et puis le code du travail si contraignant, et le modèle social français si onéreux, et puis la machine administrative qui empêche les industriels français de s'épanouir comme ils le voudraient. Mais non, quoi, quand on leur apporte la technologie d'Internet sur un plateau, ils ne sont pas foutus de la faire fructifier, ils la laissent partir aux États-Unis. Donc il y avait cette dimension. Vous voulez bien nous lire un extrait d'ailleurs qui illustre ce côté extrêmement sarcastique et mordant? La dernière veine, qui est vraiment la veine documentaire, très 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 précise, où on n'est plus du tout dans un roman, mais on est avec les. Alors en l'occurrence, Louis Pouzin et Maurice Allègre. Que Dimitri rencontre, c'est-à-dire que le roman montre Dimitri rencontrant Maurice Allègre chez lui et Louis dans un café. Et puis voilà, on a cette matière, c'est-à-dire que je travaille la langue de l'interview pour en faire vraiment des chapitres où on entend vraiment la voix de Maurice Allègre, on entend la voix de Louis Pouzin racontant, mais c'est pas transcrit comme dans une interview dans un journal. Il y a vraiment, moi je voulais vraiment que ce soit comme une épopée, un souffle, une rythmique comme ça. Et puis j'ai toujours aimé travailler les lexiques très technologiques, techniques ou liés à des métiers, à des professions, donc le vocabulaire ou les concepts et les notions qui nous sont complètement étrangers, mais que j'aime rendre compréhensibles à mes lecteurs. Je l'avais déjà fait dans Cendrillon avec la finance et les différentes techniques de trading et de spéculation financière. Donc là, il y a un vocabulaire aussi, un lexique qui est tout à fait intéressant, notamment avec beaucoup de mots d'anglais, tout ça. Et puis, voilà, des pratiques...
Et, donc j'ai pris beaucoup de plaisir à retravailler parce que je les avais enregistrés. Donc j'ai passé des heures, des heures et des heures et des heures à écouter ce que me disait Louis sur ces enregistrements. D'abord, en effet, pour comprendre, restituer avec le plus de précision possible ce qu'il m'avait raconté, mais peut-être essayer d'attraper aussi, mais ça se travaille, quelque chose de l'énergie de... Oui, de la passion, ils sont habités. Oui, et puis, de sa façon de parler, de son intelligence, de sa drôlerie, de la distance qu'il a par rapport aux événements. C'est-à-dire qu'il n'y a nul, enfin on peut le constater, aucune aigreur chez Louis Pouzin. Et donc, c'est un jeune homme, quoi. Et j'aimais bien la façon dont il me racontait cette histoire, d'une façon tout à la fois précise, limpide, rigoureuse, et en même temps avec beaucoup d'esprit, des petites vacheries qui balancent comme ça sur les uns et les autres. Et ça, j'adore. Oui. Alors, vous disiez que Louis Pouzin n'a gardé aucune aigreur. Vous confirmez, vous n'avez pas de rancune à l'égard des pouvoirs publics, de ces personnes qui ont annulé complètement ce projet sur lequel vous travaillez? Bon, un peu de tristesse de ne pas avoir trouvé des gens plus intelligents, mais pas de la rigueur. Oui. Il faut que tu mettes ton micro. Je dirais que dans la vie, j'ai toujours considéré qu'il ne fallait pas s'imaginer que tout allait bien se passer, que tout le monde soit d'accord avec moi ou que ça irait. Que tout le monde me comprendrait, mais dire non, mais c'est comme ça l'industrie. Il y a des gens qui ont des idées diverses, et puis il y a des ambitions, il y a des jalousies, il y a toutes sortes de querelles qui sont assez souvent plus personnelles que techniques. Donc c'est la vie dans l'industrie, il ne faut pas se faire d'illusions. Donc j'en ai jamais voulu aux gens, mais... Ceux que j'ai considérés comme des malfaisants, je les ai repérés, d'accord. Tu m'as donné leur nom. Alors Dimitri, lui, et c'est l'extrait que vous allez nous lire, Eric Reinhardt, ce personnage de Dimitri, lui, il est vraiment révolté par cette histoire. Donc il creuse cette enquête qu'il mène et ce qu'il découvre, surtout, qui le met très très en colère contre les décideurs politiques au pouvoir à l'époque. Et vous allez voir, le ton est vraiment très mordant et sarcastique. Et c'est précisément ce que je vais faire. Écrivait Dimitri à toute allure dans son carnet à spirale en terrasse de l'Apollo, le visage délicieusement doré par le doux soleil d'avril. Je vais écrire un livre infamant qui exhibera, pendu par un pied, l'homme qui aura incité Valérie Giscard d'Indon de la farce à scier la branche sur laquelle Louis Pouzin était en train de concevoir ce qui allait devenir l'invention majeure de la fin du XXe siècle et que les Américains, eux, pas cons, allaient savoir saisir au vol et développer comme il se doit pour amplifier dans des proportions délirantes, jusqu'alors inédites, leur écrasante suprématie planétaire. Quand, de notre côté, en France, dans notre vieille monarchie travestie en république, nous nous serons finalement comportés comme des provinciaux, des notaires, des mangeurs de gigots, des salonnards, des paresseux. Mais comment pourrait-il en aller autrement quand dans notre charmante contrée, les acteurs du libéralisme économique ne sont dans le fond que des bourgeois replets qui se promènent le week-end en pantalon de velours rouille, de vieux aristocrates dominicaux épris d'eux-mêmes et de leur supposée supériorité ancestrale en perpétuelle digestion de leur copieux déjeuner. Sans cesse, soit au sortir d'une sieste, soit s'apprêtant à aller en faire une. Accrochés à leurs privilèges, à leurs particules anachroniques, à leurs titres de vicomte, de marquis, dans une profonde et très ancienne détestation chronique du peuple. Il faut que cette histoire ait valeur d'exemple. Il faut qu'elle serve à éclairer ce qu'est aujourd'hui encore dans notre bonne vieille mentalité française, en particulier chez la plupart de ceux qui se prétendent libéraux et qui, en réalité, quoi qu'ils en disent, restent des rentiers incapables de créer de nouvelles réalités. Ces gens-là, dans le fond, ne sont bons qu'à monter des plans sociaux, à marier leurs filles, à sulfater leurs rosiers, à cirer leurs bottes d'équitation, à aller déjeuner chez madame leur vieille mère le dimanche à Meudon en attendant d'en hériter, à organiser de l'évasion fiscale, à passer de reposants week-ends en Normandie ou en Sologne, à faire des notes de frais, à piloter de puissantes berlines allemandes avant de faire sauter chaque mois par le préfet leur contredanse pour excès de vitesse. Voilà, c'est le style Dimitri, la révolte Dimitri. Ça vous plaît ce passage, Louis Pouzin? Bon, ce qui le révolte, ce jeune homme, c'est ce qu'il découvre, c'est-à-dire ce système de connivence entre les milieux politiques, économiques des années 70. Et il découvre surtout
qu'un homme, un homme très 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 influent, a eu la peau de ce projet, Cyclades, et a obtenu de Valéry Giscard d'Estaing l'abandon total des recherches sur le datagramme. Vous, Louis Pouzin, comment vous avez appris à l'époque, en 1974, que tout s'arrêtait ? Le jour où je l'ai appris, j'étais... N'oubliez pas le micro un petit peu plus. Oui, le jour où je l'ai appris, j'étais en Allemagne. C'était, je crois, un gros salon informatique, je me souviens plus très bien. C'était à Hanovre. Alors j'étais donc là avec j'étais tout seul de la bande, de ma bande, mais il y avait d'autres collègues que je connaissais, etc. On discutait. Alors il y en a un qui vient me dire, tu sais ce qui est arrivé ? Non, non. Eh bien, la délégation à l'informatique est supprimée. Ah, bon. Quand ? Ben, ça a été diffusé hier à la radio, je ne sais pas quoi. Bon, je n'avais jamais imaginé ça, parce que quelque chose qui a été créé par un gouvernement, avec quand même des ambitions assez vastes, pour laquelle on avait créé un consortium qui était Unidata, oui. C'est quand même complètement aberrant, tout ce truc-là. Alors, je suis rentré à Paris, un peu de mauvaise humeur, sans doute. Et ensuite, je me suis renseigné auprès de, peut-être pas Maurice Alec, parce que je n'avais pas des conversations très directes avec lui à cette époque, mais auprès de Philippe Renard, quoi. Donc tout ça m'est apparu assez vite. C'est que, puisque le gouvernement avait changé, c'était évidemment la mort de Pompidou, remplacé par... Valéry Giscard d'Estaing. Giscard d'Estaing, que je n'aimais pas, rien qu'à le voir. Hein. Je comprends pourquoi vous aimiez bien le passage que vient de lire Éric Reinhardt. Et à ce moment-là, je me suis dit, bien, on va voir ce qui se passe, quoi. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je suis resté à l'IRIA, puisque j'y étais déjà, mais le projet Cyclades a été complètement mis à la poubelle. Et la délégation à l'informatique étant supprimée, même Maurice Allègre a été obligé de changer de poste, quoi. Et puis voilà, puis il n'y a pas eu vraiment de réaction en France contre cette idée stupide. Enfin, que moi je trouvais stupide, mais je n'étais pas le seul. Les Américains aussi étaient surpris parce qu'ils avaient vu démarrer le plan calcul. Il y avait là-dedans des sociétés américaines qui travaillaient sur le plan calcul. Et c'était ni IBM, ni Facebook, ni l'autre là. C'était pas un GAFA. Mais ils participaient aussi au projet. Il y avait les industriels anglais, également hollandais, enfin disons des Pays-Bas. Il y avait voyons voir, Philips, les Allemands. Enfin, il y avait quand même une bonne brochette d'industriels tout à fait respectables. Ils n'ont rien dit. Enfin, il n'y a pas eu de réaction, pour dire, de type politique ou même d'article. Tout le monde a fermé son bec, a laissé passer l'affaire. Bon, à ce moment-là, j'ai changé un peu d'occupation, puisqu'ils ne voulaient pas de ce qu'on faisait. On va dire, on va le faire ailleurs. Alors, c'est là où j'ai commencé à visiter, établir des contacts avec un certain nombre de centres informatiques de différents pays européens, pas seulement européens, mais aussi africains, chinois, russes, etc., pour leur expliquer ce que nous faisions d'abord, qui n'était pas encore connu. Il y avait les datagrammes, en effet, mais c'était une étape. Hein. Il fallait aller plus loin. Mais ils étaient tous très intéressés par ce que nous faisions. Je leur passais des papiers, et j'étais donc invité à aller chez eux faire des discours, quoi. Oui, parce que ça ressort de façon très frappante dans cette biographie qui a écrite Chantal Le Brument et Fabien Soyer. C'est qu'à cette époque-là, votre équipe est connue un peu dans le monde entier. Ouais. Vous allez à énormément de colloques, vous êtes très présent sur la scène internationale. Et tout s'arrête du jour au lendemain, ou presque,
en France. C'est là évidemment qu'arrive cette question qui obsède Dimitri, mais qu'est-ce qui a pu se passer en coulisses? Qui a tiré les ficelles? Vous parliez tout à l'heure, Éric Reynard, de cette intuition que vous aviez, qu'il y avait sûrement une personne quelque part dans l'ombre un peu maléfique qui avait appuyé sur un bouton. C'était effectivement le cas ou c'est un petit peu plus complexe? Elle est dans le livre. De... d'aucun, oui, on dévoile d'aucun, un peu d'aucun le livre. Dirait, d'aucun dirait que c'était bien plus complexe. Sans doute que c'est, comme tout ce qui se passe dans la vie, un peu plus complexe que ça. Oui, il y avait des guerres d'influence avec les télécoms, notamment. Mais il se trouve que la décision qui a été prise par Valéry Giscard d'Estaing en 1974, à savoir de clore le plan calcul, de s'aborder la délégation générale informatique, l'IRIA et Unidata, allait dans le sens de l'intérêt personnel d'un homme. Voilà. Que celui-ci ait, comme je le suppose, fait du lobbying et exercé une pression intense sur Valéry Giscard d'Estaing pour qu'il prenne cette décision, ou que Giscard ait pris cette décision en écoutant d'autres personnes, dont ce fameux Ambroise Roux, il n'en demeure pas moins vrai que cette décision allait dans le sens de son intérêt à lui et dans le sens de, disons, de l'intérêt de l'establishment des télécoms. Parce que ce qu'il faut dire... Et Louis, interromps-moi si tu veux ajouter des précisions. Mais ça s'est fait en deux temps. D'abord, c'est vraiment une résistance très forte, corporatiste, des télécoms, qui étaient très doués, ils étaient tout à fait compétents, ils étaient même assez en avance au plan mondial, et qui ne supportaient pas l'idée que de nouveaux venus, surtout des hurluberlus comme Louis Pouzin, c'est-à-dire des informaticiens, cette nouvelle engeance considérée comme subalterne par les grands seigneurs des télécoms, viennent s'occuper de réseaux de transmission. Les réseaux de transmission de données, c'était vraiment leur territoire, leur propriété propre et exclusive. Il était hors de question que des types comme ça viennent se mêler de leurs affaires. Donc il y avait vraiment un truc de résistance interne de ce monde-là pour se réserver la prérogative. Bon. Et parce que les informaticiens étaient des nouveaux venus, en réalité. Et surtout que ces informaticiens expliquaient aux gens des télécoms que ce n'était pas du tout comme ça qu'il fallait organiser un réseau de transmission de données. Louis l'a raconté tout à l'heure avec le datagramme. Paquet, oui. Ils envoient les paquets. Les informaticiens disaient, mais il faut envoyer les paquets dans toutes les directions possibles en empruntant tous les tuyaux. Alors que vous, au télécom, vous envoyez les paquets les uns derrière les autres parce que vous êtes sur dans le bon ordre d'un point A à un point B. Le téléphone, ça marche en reliant un point A à un point B le long d'un fil. Et Louis dit, mais pourquoi le long d'un fil? Si les autres, et surtout si ce fil il est encombré, il y a plein d'autres fils que les paquets empruntent tous les fils. Et puis, ils se retrouvent à l'arrivée. Il y a un petit programme qui permet de les remettre dans l'ordre. Et puis, si jamais il manque un paquet, on redemande une transmission. Et puis, on retransmet et in fine, on a le... Et ça va beaucoup plus vite. Et surtout, on maximise... Plus fiable. Et plus fiable. Et surtout, on exploite toutes les potentialités du réseau. Alors que quand les paquets sont les uns derrière les autres le long d'un fil, il peut y avoir des encombrements plus facilement. Bref. Et donc ça, c'était vraiment hérétique pour les gens des télécoms. Donc ça, c'était la première chose. Il y avait vraiment une résistance. Et puis le coup de massue définitif a été administré par donc Ambroise Roux, qui était un puissant industriel, qui était l'un des plus gros patrons de France, très puissant. Extrêmement riche. C'était un empire économique et industriel. Donc, il présidait la Compagnie Générale d'Électricité, qui était un conglomérat vraiment assez considérable, titanesque. Et il se trouve que lui, donc Compagnie Générale d'Électricité, il intervenait dans le domaine de la téléphonie, puisqu'il vendait à l'État, et c'était vraiment une rente. Les centraux téléphoniques et les commutateurs téléphoniques. Et d'ailleurs, ils vivaient en grande partie de cette rente et de ce gâteau,
puisqu'en fait, voilà, il avait même théorisé ça comme étant le capitalisme d'influence. C'est-à-dire, pour lui, un bon patron était celui qui était assez habile pour nager comme ça en eau profonde entre le monde de l'industrie et celui de la politique, et pour s'attirer le maximum de marchés publics possible au détriment de ses concurrents, en faisant un peu place nette et tout ça, quelles que puissent être les répercussions sur l'intérêt général ou le tissu industriel français, etc. Et donc, Ambroise Roux était extrêmement habile et adroit à capter comme ça des marchés publics et à se les réserver pour lui seul, alors qu'il aurait pu y avoir des partages. Il aurait pu partager le marché des commutateurs téléphoniques avec d'autres. Or, il se trouve qu'à un moment, Thomson, donc son patron, Paul Richard, a souhaité venir sur cette chasse gardée des centraux et des commutateurs téléphoniques pour essayer d'en avoir un morceau. Et Ambroise Roux l'a pris vraiment comme une déclaration de guerre totale et il est rentré en guerre contre Paul Richard. Et l'une des façons d'affaiblir Paul Richard, c'était de l'attaquer sur son terrain, qui était celui de l'informatique, et en disloquant la délégation générale informatique, en cassant Cyclades et le datagramme de Louis et en disloquant également Unidata. En effet, il faisait en sorte que Paul Richard ne prenne pas trop de poids. Parce qu'on imagine bien que si Internet avait été créé en France et qu'Unidata était devenu l'Airbus de l'informatique où c'était retrouvé en passe de l'être, bien évidemment, Thomson et Paul Richard prenaient un poids considérable et au détriment d'Ambroise Roux. Voilà, c'est l'histoire. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et donc, en effet, Ambroise Roux m'a raconté, mais plusieurs témoins exerçaient une pression intense sur Valéry Giscard d'Estaing pour qu'il votre personnage... écarte le datagramme de Louis, mette un terme à la délégation générale informatique et disloque Unidata. Votre personnage de Dimitri a cette lecture peut-être un peu manichéenne, d'ailleurs, on pourrait en discuter, de effectivement Ambroise Roux qui incarne parfaitement cet intérêt particulier, privé, cet homme très puissant qui tire toutes les ficelles. Et puis de l'autre côté, celui qui incarnerait l'intérêt général, c'est Louis Pouzin, c'est son équipe, c'est le travail mené à l'IRIA. Est-ce que vous aviez vraiment conscience, Louis Pouzin, à l'époque, d'œuvrer pour l'intérêt général? Est-ce que c'est comme ça qu'à ce moment-là, vous voyez votre rôle de chercheur? Je ne peux pas dire que l'intérêt était général, parce que le monde de la télécommunication, c'est quand même bourré de concurrents. Alors, dans la concurrence, il y a ceux qui gagnent et ceux qui perdent. Ce n'est pas forcément les meilleurs qui gagnent. Donc, je ne peux pas dire que c'était, que c'était pour le bien général des gens. Mais c'était en tout cas, pour moi, c'était l'évidence technique. L'évidence technique parce qu'à l'époque, c'était déjà le début du téléphone numérique, des transmissions numériques de données. Mais c'était encore balbutiant. Mais les concurrents qui commençaient à apparaître, c'était les Allemands, c'était les Anglais, c'était Philips, c'était les Américains. Donc le paysage était déjà nettement en ébullition. Et la France, c'était à l'époque, n'avait rien de très original. Il y avait des gars qui bricolaient à Lannion ou qui bricolaient à Rennes, ou je ne sais pas, dans différents centres techniques, mais ils n'avaient encore rien sorti, sauf quelques bricolos, oui, qu'on pouvait voir téléphoner, mais ce n'était pas encore crédible au niveau d'un réseau. Alors, ce qui veut dire que Ambroise Roux, qui lui considérait que vendre des centraux téléphoniques, c'était une bonne partie de ses produits, enfin, disons de ce qui enrichissait la compagnie générale d'électricité, il a dû flairer que la France n'était pas un terrain très, très intéressant pour développer cette technologie. Alors, c'est donc Thomson qui avait lancé ça, quoi. Alors ça, c'était certainement une grosse menace. Oui, cette guéguerre que tu l'as dit, vous décriviez. Parce qu'à ce moment-là, d'autres constructeurs auraient pris des marchés en France et du même coup
réduit le champ d'action de, disons, la manne financière que collectait Ambroise Roux pour vendre ses centraux. Quoi. Ce fameux... Pour revenir sur la question de l'intérêt général, ce qu'il faut préciser, quand je disais qu'il y avait une concurrence entre le CNET à Lannion, donc le Centre National des Télécommunications, et l'IRIA à Reconcours, c'est que le CNET développait, quand Louis développait le datagramme, le CNET développait la norme X25 qui donc allait donner naissance au Minitel. Et donc il y avait vraiment, on pourrait résumer la chose, je crois sans trop faire d'erreurs et d'approximations malencontreuses, en disant que c'était vraiment soit le Minitel d'un côté, soit la préfiguration d'Internet de l'autre. Et que le CNET, l'ayant emporté sur l'IRIA grâce à Giscard d'Estaing, allait pouvoir développer le Minitel sans obstacle. Mais Maurice Allègre et Louis sont allés voir le CNET en disant... Alors c'est pour ça que cette question de l'intérêt général est importante, c'est qu'ils ont dit, OK, vous allez développer... genre, vous avez gagné, vous allez pouvoir développer le Minitel. OK, ben allez-y, développez le Minitel. Mais comme Maurice et Louis savaient que le Minitel était de fait, par nature, sans avenir, c'est-à-dire qu'il allait pouvoir fonctionner un temps, puis tomber de lui-même, puisqu'il n'avait pas la propriété d'être infini comme l'Internet et le réseau Cyclade de Louis. Développez le Minitel, mais en même temps, on vous offre le réseau Cyclade, prenez-le, ne le laissez pas partir ailleurs, faites-en votre chose personnelle, continuez à l'élaborer, même sans nous, afin que lorsque le Minitel sera mort, vous serez en mesure de substituer au Minitel le réseau Cyclade, qu'entre-temps, vous aurez fait grandir, mûrir, perfectionner, etc. Et donc, on aurait pu avoir, et ça, je pense que cette abnégation-là de Maurice Allègre et de Louis Pouzin, qui est tout à leur honneur, elle était pour moi porteuse d'une notion très forte de service public et d'intérêt général, qui était de dire, OK, on a perdu, mais on est beaux joueurs, on vous laisse cette technologie, elle est française, vous êtes, nous, on est informaticiens, vous êtes des télécoms, mais allez-y, et voilà. Et donc, ils n'ont pas souhaité les gens du CNET, sans doute parce qu'ils n'y croyaient pas. Et il y a aussi peut-être aussi une question d'orgueil. D'orgueil et d'ego, oui. On ne va pas récupérer votre travail. Toute leur formation technique de base était basée sur... Le micro, Louis, un petit peu. Toutes les formations de base des télécoms, c'était... on établit des circuits, n'est-ce pas ? Alors qu'ils soient en cuivre ou en onde, peu importe, mais c'est des circuits. Et là, on fait passer des tas de choses différentes. On les organise, on sait où ça va aller, s'il y a un problème, on sait où le réparer, etc. Enfin, tout ça, c'était, on pourrait dire, une expérience et une façon de penser qui disparaissait de leur paysage. Quand on fait des paquets, des circuits virtuels, etc. Quoi. Donc ça, c'était contraire à toute leur... à toute leur expérience et à toute leur mentalité. Et à leur philosophie. Je réagis sur... Je rajoute une chose importante, c'est que ce Minitel, ce fameux Minitel, c'est CIT Alcatel qui allait pouvoir le fabriquer. Et CIT Alcatel était une filiale de la CGE présidée par Ambroise Roux. Par Ambroise Roux. On retombe toujours sur Ambroise Roux. Je voulais juste réagir à ce que vous disiez sur cette vision de service public et de long terme aussi. Dimitri développe lors de son enquête toute une réflexion sur finalement ce qu'est l'intelligence, à quoi doit servir l'intelligence. Toutes ces personnes qu'il cite ont fait des grandes écoles, notamment polytechniques, viennent tous du même terreau familial, du même sérail. Et il écrit ceci, Dimitri, le seul génie qui importe et le seul qui mérite ce nom, c'est celui qui se vérifie par des innovations décisives, par des idées ou par des intuitions révolutionnaires, par des chefs-d'œuvre définitifs. Le vrai génie dans cette histoire, c'est Louis Pouzin, pas Ambroise Roux. Mais oui, parce que quand on lit... Ça vous fait beaucoup rire, Louis. Quand dans la littérature consacrée au patronat français, à l'économie française, Ambroise Roux est toujours présenté comme un génie.
comme un homme d'une intelligence absolument stupéfiante. Mais on aime beaucoup ça aujourd'hui encore, les génies, oui. Les surdoués. Donc en effet, il est absolument incontestable. D'ailleurs, je me suis passionné pour le personnage Ambroiseau, mais vraiment, m'a passionné. C'est-à-dire que là, c'était vraiment un cadeau du ciel que cette petite brève de Libération, puisque elle m'a permis de rencontrer Louis Pouzin, avec qui je suis devenu ami et je l'adore, et de découvrir ce personnage que j'avais complètement oublié, Ambroiseau, qui est un vrai personnage de roman. Jamais j'aurais eu les ressources pour créer un personnage comme ça. Et donc, il était considéré, et il est toujours considéré par ceux qui s'en souviennent, comme vraiment un grand homme, un visionnaire, quelqu'un qui avait compris l'époque dans laquelle il vivait. Et je pense qu'il avait un vrai impact sur toutes les personnes qu'il croisait. Il aimait séduire. Il aimait ensorceler, il aimait dominer les autres par son intelligence. Et voilà, je pense que quiconque approchant Ambroiseau et discutant avec lui 10 minutes était impressionné et conquis. Et donc Ambroiseau, il s'est beaucoup servi de ça, c'est-à-dire de l'effet qu'il faisait sur les autres et en particulier sur la conviction qu'il inspirait à ses interlocuteurs qu'il était d'une intelligence très, 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 très au-dessus de la moyenne. Et donc, le génie d'Ambroiseau, c'est de s'être fait passer aux yeux de tout un tas de personnes, et en particulier de 3 présidents de la République successifs, pour un visionnaire, quelqu'un qu'on avait intérêt à écouter pour mieux comprendre le temps présent et donc anticiper l'avenir. Ainsi, on comprend mieux que Giscard d'Estaing ait pris des décisions aussi radicales que celles qu'on a évoquées tout à l'heure. C'est que sans doute, Ambroiseau avait convaincu Giscard d'Estaing qu'il était comme une sorte d'oracle. Il y a des gens comme ça, on appelle ça les visiteurs du soir et tout, donc ils sont plus ou moins convaincants et ils sont, ils impressionnent plus ou moins. Et je pense qu'Ambroiseau, en effet, le génie qu'il avait, c'était d'avoir convaincu Giscard d'Estaing qu'il fallait l'écouter dans le sens de l'intérêt général, alors qu'en réalité, il parlait et délivrait comme ça ses oracles pour son seul intérêt propre, enfin celui de la CGE, et donc par voie de conséquence, dans son seul intérêt. Je disais qu'il était gratuit. Donc en fait, son génie, c'est ça, c'est d'être doué sur les tapis des salons ministériels, alors que Louis Pouzin a été génial parce qu'il a inventé quelque chose de tout à fait révolutionnaire. Et donc, à un moment, il y a eu, on peut schématiser la chose en disant qu'il y a eu une espèce de bras de fer entre Louis Pouzin et Ambroiseau, pas directement, mais par technostructure interposée et tout ça, et que c'est Ambroiseau qui l'a emporté, non parce qu'il avait raison, l'avenir nous a montré qu'il avait tort, mais parce qu'à ce moment-là, il est parvenu à convaincre qu'il avait raison. Ce qui n'est pas tout à fait... Non, ce qui n'est pas la même chose. Mais on peut percevoir ça comme un talent, et un talent qu'on peut saluer, éventuellement, enfin ceux que ça intéresse, c'est-à-dire le talent de la manipulation des autres par l'intelligence, même si on a tort. Oui, parce qu'il est complètement machiavélique, mais ça c'est... Voilà, une facette est la facette publique du personnage, mais ce qui est très révoltant dans ce que Dimitri découvre sur cet Ambroiseau, c'est qu'il a aussi une autre facette qui là peut presque paraître un peu grotesque. Quand je dis que le type est gratiné, c'est qu'il est passionné de parapsychologie, il fait tourner les tables, enfin il a des croyances très, très particulières. Ça c'était un cadeau, vous disiez, pour un romancier. Comment on se débrouille avec un personnage qu'on aurait du mal à inventer et à rendre crédible s'il n'existait pas réellement comme tel? En effet, des patrons comme ça n'existent plus aujourd'hui, ça c'est sûr. Donc en effet, il était supérieurement intelligent, extrêmement cultivé, il prétendait lire un livre par jour, ce qui est faux, bien évidemment. Mais ça allait dans le sens de la légende, quoi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était très conscient de sa supériorité et qui donc était très soucieux de se façonner une espèce de... Un récit de soi, une légende, presque un personnage comme ça. C'est un mythe. Mythe de son vivant, voilà. Et donc, il faisait tourner les tables et ça ne le gênait pas que ça se sache. Même, je pense que ça a ajouté un peu de sel et de piment à l'image qu'il avait. Donc, il était absolument fasciné de parapsychologie et il avait créé au sein même de la CGE un laboratoire qui étudiait la psychokinèse, c'est-à-dire la capacité qu'a l'esprit à diriger les objets.
Et donc, il avait mis au point, ou fait mettre au point par un ingénieur, un instrument de mesure tout à fait sophistiqué, relié à un ordinateur, qui permettait de mesurer l'action de l'esprit sur les objets. Et il avait l'intention de pousser très loin ses recherches et de faire une communication à l'Institut des sciences, je ne sais pas quoi. Et alors, il se trouve que là, Mitterrand est arrivé à ce moment-là, et donc il a été mis dehors. Il ne dirigeait plus la CGE quand il faisait ses études. Mais voilà, c'est quand même assez extravagant d'imaginer ce qu'on imagine aujourd'hui, un grand patron qui, au sein même de son entreprise, crée un laboratoire, mais d'une façon très, très, très sérieuse, reliée à une lubie tout à fait personnelle. Personnelle, encore une fois, on y revient. Donc, en fait, en effet, il est très truculent en couleur. Mais surtout, il parle. C'est ça qui m'a intéressé, c'est qu'il est, dans le fond, le symptôme. Alors, peut-être un symptôme extrêmement rare et sophistiqué, élaboré et unique en son genre, mais un symptôme quand même d'une certaine France des hauts plateaux, des hautes sphères, du monde industriello, politico-économique, très, 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 très suffisant, imbu de lui-même, un peu à l'écart entre soi. Et donc, Ambroise Roux, il a pêché aussi par un excès d'assurance et de suffisance et de sentiment de supériorité. C'est-à-dire qu'il n'était absolument pas inquiet. C'est-à-dire qu'on était quand même un peu... Ça commençait à descendre. Mais on était en train de créer le Minitel. Donc, on était une puissance comme ça. Et jamais Ambroise Roux n'imaginait que la France pourrait se trouver balayée, détrônée par l'irruption d'un nouveau monde, à savoir le monde numérique, Internet et tout ça. Donc je pense qu'il avait la certitude que la France pourrait continuer comme ça, bon an, mal an, à être parmi les leaders de la planète avec les Américains, mais les Américains alors n'avaient pas distancé au point que ça l'est aujourd'hui la France. Donc en fait c'était, et je pense que les Américains, ils étaient comme ça animés par une ambition, et comme je l'ai dit tout à l'heure, et voilà, un désir de conquête planétaire et d'hégémonie dont étaient totalement dépourvus les industriels français, et qui en plus étaient absolument convaincus que rien de funeste ne pouvait leur arriver. Et c'est là que la figure de Louis Pouzin fait contrepoint, et je m'arrêterai là. Vous avez fait Polytechnique, Louis Pouzin, vous avez été avec votre équipe très visible sur la scène internationale, vous auriez pu prendre le melon, comme on dit, vous auriez pu être tenté par un intérêt plus privé. Pourquoi ça vous fait rire quand on dit aujourd'hui que vous êtes un visionnaire, que vous êtes un génie ? Ben, il n'y a que ça qui m'intéresse. Vous avez toujours suivi votre passion. Oui, toujours. Et d'ailleurs, Louis, il est toujours... Vous n'êtes pas retraité. Non, pas du tout. Ah, officiellement, donc, là... si. Légalement, oui. Et donc là, il travaille avec d'autres sur un projet qui lui tient très, 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 très à cœur. Ouais. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'il nous en dise deux mots, qui est Rina. Alors, Chantal m'a dit qu'il ne fallait pas que j'en parle, mais j'en parle quand même. Mais si, en conclusion, vous allez faire très très court et nous dire sur quoi vous travaillez encore. Je précise juste, Chantal lui a demandé de ne pas en parler, non parce que c'est confidentiel, etc., mais parce que c'est tellement la passion de Louis qu'il peut en parler pendant deux heures. À part entière. Alors, donc en fait, il est sur Rina aujourd'hui, comme il était... Dans les années 70, sur Cyclades et le Zagram. Donc, il a beau avoir 90 ans, presque. Presque, oui. Il chevauche encore comme ça. Alors, en quelques mots, Louis Pouzin, qu'est-ce que Rina anime aujourd'hui ? Dans ma vie de, pourrait dire, de transmission de données par paquet, là, à l'époque où j'ai fait Cyclades, et il y avait aussi un de mes collègues américains qui, lui, avait fait Rina. Mais il l'avait fait un peu plus tard, quoi. RINA, ça voulait dire Recursive Internet Work Architecture. En fait, c'est... Levez un petit peu votre micro encore, oui, s'il vous plaît. Recursive Internet Work Architecture. Bon, c'est un mot, c'est une expression qui ne dit pas grand-chose si on n'a pas lu un minimum de technique.
Et c'était en fait une, là aussi une révolution dans la manière de faire ces outils, ces réseaux d'ordinateurs, parce qu'un réseau d'ordinateurs, ce n'est pas un ordinateur, c'est une foule d'ordinateurs, mais qui doivent se parler. Il n'y en a pas un qui est maître de tout le monde. Ce n'est pas comme les bases de données où des fois il y a une base qui sert à toutes les autres ou qui fait figure de leader. Non, c'est des systèmes où chaque ordinateur rend des services, mais il peut y en avoir des dizaines de groupés ou des centaines ou des milliers, mais il n'y a aucune raison de que ce soit un seul système. Ils peuvent être de technologies différentes, de principes de fonctionnement différents, mais ils ont une sorte de langage technique pour pouvoir communiquer entre eux, donc de se passer du travail, de s'informer les uns les autres, de se récupérer, tout ce qu'on veut. C'est ça, aujourd'hui, qui est l'idéal pour un réseau d'ordinateurs. Alors ça n'existait pas à l'époque. Ça n'a même jamais existé du temps de, par exemple, Microsoft ou bien IBM. Ça n'a jamais existé. Il y avait des fois quelques-uns qui étaient reliés entre eux, mais il n'y en avait pas plus de deux ou trois, quoi. Alors que ce qu'a inventé John Day, c'est une façon de programmer des ordinateurs pour qu'ils soient entièrement, on pourrait dire, copains les uns avec les autres. On peut dire copains. En fait, ils ont une sorte de langage d'échange qui leur permet de donner du travail à un autre, de recevoir des résultats d'un autre, de vérifier que tout s'est bien passé. C'est une communauté. Alors là-dedans, il peut y en avoir des petits, des gros. Il peut y en avoir qui font de la chimie, d'autres qui font de la poésie, d'autres qui font de la médecine, peu importe. C'est simplement, ce qui compte, c'est leur capacité de traitement et de coordination. Alors ça, c'est vraiment la génération nouvelle qu'a inventé John Day, que je connais très bien depuis longtemps, depuis l'ARPANET en fait. Alors c'est quelque chose que, évidemment, les Américains n'aiment pas, parce que ça leur a coupé l'herbe sous le pied. Évidemment, ils avaient adopté le datagramme déjà, mais ils n'avaient pas pensé à l'extension de cette technique au travers de multiples ordinateurs. Et ils n'ont toujours pas compris, d'ailleurs. Donc, ils n'ont toujours pas compris, je veux dire, parce qu'ils n'ont pas intérêt à comprendre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas piqué l'idée. Ils ont évidemment piqué l'idée du datagramme, enfin, ça, ce n'était pas très difficile. Mais ça n'était qu'une étape. Donc, ils ont pas vu arriver l'étape de John Day, parce que John Day est un personnage assez fantasque. Et il n'était pas très copain avec les gens de l'ARPANET, avec les gens de l'Internet. Alors, je vais devoir vous couper, Louis Pouzin, parce que sinon, on va partir sur une autre rencontre. Mais on voit qu'on est tourné vers l'avenir. Et... Mais quand même, si les personnes qui nous écoutent ont envie d'en savoir plus sur ce qu'est RINA, il y a quelques explications dans cette biographie. Louis Pouzin, l'un des pères de l'Internet, que j'invite vraiment à lire si on veut en savoir plus sur votre vie, oui. Sur votre parcours, évidemment sur cette histoire qu'on a racontée, ce projet Cyclades et son sabordage. Oui. Et puis, évidemment, j'invite tout le monde à lire Comédie française d'Éric Reynard pour... retrouver toute cette histoire du datagramme et puis découvrir aussi les autres histoires dont on n'a pas parlé dans cette rencontre. Comme ça, on n'a pas, oui. Pas gâché tout le plaisir. Merci beaucoup à vous deux pour cette Merci rencontre. On oui. aurait bien continué, mais on est un petit peu contraint par le temps. Mais on pourra continuer autour d'un café. Merci beaucoup aussi à vous de nous avoir suivis et puis bon festival à vous. À très bientôt. Merci de l'atmosphère et l'ambiance dans laquelle on peut échanger nos idées, quoi. Ouais. Et ben voilà, on n'est pas concurrents déjà. Merci beaucoup à vous deux.